Numéro 7 de la série Bram Buisset en pays d'aspect. Là, ils sont trois sur la place du Bram. Si d'autres y descendent de la forêt, là, ça risque de faire mal, je pense. Ah, il a décidé de bouger là. Le cerf qui était arrivé le deuxième sur la place du Bram se tient à une distance raisonnable de l'autre cerf. Par contre, le premier que j'ai eu en arrivant, je sais pas où il est passé. Ce cerf se tient à une distance plus que raisonnable de l'autre cerf. Quatrième cerf qui arrive sur la place du Bram. Bon, celui-là, il est plus jeune. Il va pas faire le poids, là. Je pense qu'il a compris qu'il faisait pas le poids. Il fait juste de passer, comme dirait l'autre. Un autre cerf se manifeste juste au-dessus dans la forêt.
Un cinquième cerf arrive sur la place du Brame. Je ne sais pas ce que va faire le dominant, mais... Ouais, je crois qu'il a compris. Hein. Il va faire juste que de passer. Il va aller se réfugier dans la forêt. Là. Mais bon, le jeune a l'air de vouloir rester sur la place. Il faut voir la suite. Ouais, le jeune cerf s'est couché là. Mais il est quand même resté sur la place du Brame. Un sixième cerf fait son entrée sur la place du Brame. Mais bon, j'ai l'impression qu'il va faire demi-tour. Quoique, on ne sait jamais. Ah si. Il va rentrer dans la forêt. Ouais, il a compris. On va même voir le jeune cerf. S'il n'a pas compris, là, je pense qu'il va comprendre. Nuit tombe, là, ça va commencer à être difficile à filmer. Bon, je vais arrêter pour ce soir. Je pense que je vais pas avoir assez de lumière après.